Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le traitement et l'hivernage de mes bonsaïs. Alors ça y est, on va bientôt rentrer en hiver. Nous, dans la région de Bordeaux, on a commencé à avoir des nuits en dessous de zéro. Je crois qu'on a eu un moins 2 un moment. Donc là, je vais commencer à préparer les arbres pour leur hivernage. J'avais déjà présenté dans cette vidéo ma serre. Donc c'est dans cette serre que je vais protéger en fait certains bonsaïs. Tout simplement pour éviter que dans le pot, la température soit en dessous de moins 1, moins 2 maximum. J'ai protégé certains arbres, notamment des espèces qui ne supportent pas le gel. Et aussi certains arbres que j'ai rempotés récemment pour éviter que la motte gèle. Je vous ai présenté aussi mon dispositif de chauffage qui va s'enclencher en fait quand les températures vont être inférieures à 0 degré. Donc le chauffage va s'allumer quelques dizaines de secondes pour augmenter la température et éviter qu'on descende en dessous de zéro. Ça va sûrement arriver parfois la nuit et ça va me permettre de m'assurer que la serre est hors gel. Là, on peut revoir le système de chauffage, je l'ai refait entièrement. Cette fois-ci, j'ai utilisé un boîtier étanche, comme ça j'aurai pas de soucis avec l'humidité. D'ailleurs, à propos du chauffage, il y avait pas mal de questions sur le placement de la sonde. En fait, je l'ai mis carrément tout en haut là. Elle se trouve ici au plafond, donc c'est vraiment le meilleur point pour prendre la température. Et j'ai ajouté un autre éclairage là-haut, comme ça, quand j'allume, là vraiment toute la serre est illuminée. Là, on est en novembre, on est rentré dans une période assez fraîche, surtout la nuit. C'est sec et ensoleillé. D'ailleurs, j'ai sorti la collection hiver. C'est vraiment le moment idéal pour traiter les bonsaïs avant de les hiverner. Alors, j'ai dû le dire dans certaines réponses ou certains commentaires, j'ai même des messages où on me demande quel traitement tu effectues, quels produits tu utilises. Et effectivement, j'utilise aucun produit pour les bonsaïs. La seule méthode que j'utilise, c'est que j'utilise de bons substrats, drainants, aérés, rétenteurs. J'essaye d'arroser correctement. J'expose aussi les arbres dans le jardin d'une bonne manière, soleil, mi-ombre, ombre, etc. Et je les engraisse régulièrement avec de l'engrais organique. Une bonne aération aussi, hein. Ce n'est pas des arbres qui sont dans des coins de mur cachés. Ils prennent le vent sans le prendre directement. Il faut qu'il y ait de l'aération entre les branches, il faut que le soleil puisse pénétrer dans les ramures. Et tout ça, un bon substrat, un bon engrais, un bon arrosage, une bonne exposition, tout ça fait que j'utilise aucun produit et j'ai pas de soucis ou de maladies sur les arbres. Par contre, il y a un traitement qui existe. Il me semble que je l'avais présenté rapidement dans ma vidéo sur le liquide Adjin. C'est justement l'utilisation du liquide Adjin. On le connaît surtout pour le traitement du bois, pour blanchir le bois en fait, mais on peut aussi l'utiliser en traitement préventif. En plus de blanchir le bois, il permet aussi de protéger des champignons, des algues, des mousses. C'est antifongique et antiparasite. Au Japon, cette technique est largement employée et on appelle ça là-bas le yokosai. C'est un traitement préventif. On m'a conseillé de faire ça 2 fois par an, une fois en novembre et une fois en février avant le printemps. Donc ça fait 2 traitements par an et c'est préventif. C'est-à-dire que pendant tout l'hiver, ce traitement va être efficace pour éviter tous les parasites, le développement de choses latentes sur le bois, tout ce qui est cochenille, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va aseptiser l'arbre pour l'hiver et c'est en général l'hiver qu'il y a des soucis. Alors ce traitement, je l'ai fait une fois l'année dernière pour tester. J'ai fait ça sur quelques arbres. J'ai pas vu de gros changements en fait. Comme j'avais pas de soucis sur les autres arbres et sur les arbres que j'ai traités, j'ai pas vu de soucis, j'ai pas forcément vu de différence. Mais je pense que maintenant je vais m'y coller chaque année, 2 fois par an. Je vais utiliser ce traitement au liquide Adjin. Donc comme vous savez, le liquide Adjin, c'est un produit à base de chaux et de soufre. Donc évidemment, il y a une dilution à faire. On fait vraiment 2 distinctions. Pour les feuillus, on va diluer au 1/30e et pour les conifères, on dilue au 1/50e. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais préparer la solution dans un pulvérisateur et puis ensuite, je vais pulvériser directement la partie aérienne. Donc moi, je vais juste mettre un petit linge autour. Je vais pulvériser toute la partie aérienne et une fois que ce sera sec, je les mettrai en serre ou sur les étagères en fonction des espèces. Là, pour l'instant, ma serre, elle est trop petite pour accueillir l'ensemble de mes arbres. Donc j'ai mis en priorité tout ce qui craignait le gel, tout ce qui est tropical, tout ce qui est dans des petits contenants, les boutures, les semis, etc. Les oliviers, tous les arbres qui ont été fraîchement rempotés. Après, ce que je garde plutôt à l'extérieur, c'est en fait finalement presque tous les conifères, tout ce qui est pin, genévrier, etc. Je les laisse à l'extérieur. Ou alors les arbres qui sont vraiment dans des pots assez grands et qui vont pouvoir supporter un peu plus le gel. Mais là, pour protéger l'ensemble de ma collection, il me faudrait une serre qui est 2 à 3 fois plus grande et c'est impossible pour mon jardin. Alors justement, pendant le séchage, il ne faut pas qu'il se mette à pleuvoir. D'où l'intérêt de faire ce traitement quand on sait qu'il y a un temps sec et ensoleillé. Pour éviter justement que tout le liquide Adjin qui n'est pas absorbé par le bois finit par tomber dans le substrat. Moi j'ai vraiment choisi ma journée. Aujourd'hui il fait un super temps.
un ciel bleu, un beau soleil. Donc c'est parfait pour le traitement que je vais faire. Donc je vais traiter sur des étagères temporaires tous les arbres qui vont partir en serre. Et puis tous ceux qui vont rester dehors, les pins, les genévriers, etc., je vais les traiter directement sur les étagères. Je vais mettre un petit drap autour du tronc pour protéger le substrat pendant la pulvérisation. Et puis ensuite, je l'enlèverai pour que ça sèche. Donc j'évite de pulvériser directement sur le substrat et puis aussi sur le pot parce qu'après ça peut faire des marques et c'est pas super joli. Après on peut toujours nettoyer mais bon, si on peut éviter, on vise uniquement la partie aérienne. Donc on se retrouve dehors pour la suite. Voilà, j'ai préparé les deux premiers, donc j'ai mis un linge tout autour du collet pour protéger le substrat et je vais pouvoir vaporiser la partie aérienne. Donc là, j'ai mon pulvérisateur d'un litre, le liquide à gin. Donc là, j'ai un litre, je vais faire 30 ml. Je vais commencer par les feuillus. Hop. Je prends l'arrosoir, alors déjà je rince ce qui reste à l'intérieur là. Hop. Et je remplis jusqu'à 1 litre. Voilà, j'ai plus qu'à pulvériser. Voilà, donc c'est parti pour le premier arbre, donc c'est un érable burger. Alors un petit érable palmatum. Alors je sais pas si ça se voit sur la caméra mais ça fait tout jaune. On voit hein, des petites gouttelettes jaunes comme ça. Là ça tombe sur le drap. Il était blanc, il est tout jaune maintenant. Et j'ai procédé de la même manière pour l'ensemble des feuillus. J'ai fini les feuillus, on passe aux conifères. Donc là pour les conifères, c'est un peu plus dilué, on met que 20 ml par litre. Hop. Voilà, c'est bon, donc j'ai pu traiter l'ensemble des arbres. J'ai commencé par les feuillus au 1/30e et ensuite j'ai fait tous les conifères au 1/50e. J'ai laissé toute la journée sécher au soleil et puis en fin de journée, j'ai rentré un par un les arbres concernés dans la serre et puis j'ai replacé les autres sur les étagères.
Pour le traitement, alors c'est assez pratique quand on peut déplacer l'arbre et qu'on peut le mettre directement sur un tabouret au milieu du jardin. Comme ça, on peut tourner autour très facilement. Je pulvérisais vraiment tout autour, donc en partant du bas vers le haut, comme ça, en faisant des mouvements tout autour de l'arbre. Je pensais aussi à le pulvériser un peu vers le bas, parce que souvent, il y a des parasites qui se cachent sous les branches. C'est dans les endroits cachés qu'il peut y avoir des parasites. Donc, pas hésiter à pulvériser justement par en dessous, par au-dessus, vraiment dans tous les recoins, pour que l'ensemble de la ramure soit couvert par ce produit. Après, si c'est trop lourd, moi j'ai traité directement certains arbres sur les étagères. Donc c'est pareil, hein, j'ai protégé, et puis j'ai commencé à la face avant, et puis après j'ai fait le tour de l'étagère, et ensuite j'ai fait la face arrière. Bon, c'était quand même quelque chose d'assez long. Ça représente deux demi-journées par an, donc c'est pas si compliqué que ça. Après, forcément, plus on a d'arbres, plus ça va être long. Moi j'ai une trentaine d'arbres, donc ça a pris quelques heures, mais au moins c'est fait. Je vais recommencer ce traitement courant février, avant le début du printemps. Après la pulvérisation pendant le séchage, on peut remarquer que l'écorce blanchit légèrement. Bon, après, ça s'estompe avec le temps, forcément, avec les arrosages, les intempéries, etc. Et c'est pour ça, souvent, sur les feuillus au Japon, par exemple les érables, on voit souvent que leur écorce est très blanche. Et je trouve ça super beau parce que là, le contraste est super fort avec les feuilles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai partagé avec vous mon expérience sur cette technique particulière qui est utilisée par beaucoup de professionnels et au Japon. Je pense qu'on n'est plus à une méthode expérimentale, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc moi je suis content de l'avoir adopté et de l'utiliser sur mes arbres. Au moins je me dis que c'est préventif. Mes arbres vont être en bonne santé tous les ans. Et c'est une technique qui est assez abordable parce que un produit comme ça coûte une dizaine d'euros sur le marché. Là j'ai utilisé la moitié de la bouteille pour toute la collection. Donc au final c'est une bouteille par an. Je pense que c'est bien plus intéressant que tous les autres produits qu'on peut trouver sur le commerce et avoir une pharmacie de plein de produits chimiques. Donc évidemment, cette technique, il faut la jumeler aussi à une bonne culture, donc une bonne exposition, un bon arrosage, un bon engraissage et un bon substrat. Et normalement, vous n'aurez aucun souci. En tout cas, moi, depuis plus de 4 ans, j'ai jamais eu de soucis sur aucun arbre et j'utilisais pas cette technique. Cette technique, j'ai commencé à l'essayer l'année dernière. Cette année, je vais vraiment faire deux interventions par an et je vais m'y tenir parce que je pense que c'est la chose à faire pour maintenir des arbres en bonne santé. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï. Je reviens sur le truc d'engrais. C'est un traitement préventif. C'est un traitement préventif. Allô? J'ai eu peur. Tout ce qui craignait le gel, donc j'ai mis tout ce qui craignait. J'ai commencé par les feuillus, j'ai fini. Après forcément, plus on a d'arbres. Après forcément, plus on a. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai. Et c'est une technique qui a. Oui, 5 minutes. Pour que vraiment l'ensemble de la ramure.